c'est Rafi Informatique, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités d'Avast Secure Browser. Vous êtes désolé pour mon accent. Voilà, donc je vais cliquer dessus. Je vais vous montrer toutes les fonctionnalités. Je vais mettre le lien dans la description. Et vous pourrez l'installer et remplacer par vos autres navigateurs. Voilà. Donc je vais cliquer dessus, bien sûr, parce que. Voilà, vous tombez ici, sur cette page. Bref, vous allez vous demander, ça ressemble énormément à Google Chrome, la page d'accueil. Mais ce n'est pas Google Chrome, c'est peut-être en participation avec Google Chrome, quoi. Il a un peu repris les trucs, mais voilà. Je vais vous montrer, pardon, merde, je vais vous montrer les fonctionnalités d'Avast qui est dans ce navigateur. Parce que c'est Avast Antivirus qu'il a créé. Donc je vous conseille fortement de le télécharger. Avast fait beaucoup de trucs comme ça et c'est trop bien. Voilà, vous avez tout ça. Vous avez analysé mon PC, un mode bancaire, pour effectuer des achats et des transactions bancaires en ligne en toute sécurité. Avec le VPN qui est payant, il faut payer, je sais pas... Faut télécharger et payer par mois. Anti-truc, je sais pas comment le prononcer, désolé. Masquer les traces de votre navigateur pour limiter le suivi en ligne. Adblock, bloquer les publicités. Je voulais pour une navigation plus rapide et sécurisée, c'est une extension qui est moins bien qu'Adblock Plus. Anti-phishing, bloquer les sites internet et les téléchargements dangereux. Anti-pistage, bloquer les outils de suivi web industrie. Mode fantôme, c'est un peu comme navigation privée. Chiffrement HTTPS, utiliser des connexions HTTPS pour renforcer la sécurité, ça chiffre quoi. Gestionnaire de mot de passe. Voilà, et une extension qui empêche d'installer des extensions dangereuses. Bon, oui, bon, c'est un peu bizarre. Et Privacy Cleaner pour supprimer le cache, votre historique et la navigation. Pour la confidentialité renforcée. Protection flash, bloquer le contenu flash pour une navigation plus sûre et plus rapide. L'agent webcam pour bloquer, pour autoriser les sites à autoriser à accéder à votre webcam. Et sujet une victime d'une violation de données, vous ouvrez votre adresse mail. Et conseiller pro et il vérifie. C'est trop bien. J'adore. Voilà. Donc vous avez tous ces trucs. Et après, même presque la même rapidité que Google Chrome. Un peu moins rapide parce qu'il y a toutes ces extensions. Mais je vous conseille vraiment. Et après les paramètres, c'est à peu près les mêmes, etc. Ouais, c'est presque pareil. Il hein. Y a les paramètres. Il y a plein de choses. Voilà. Bref, ça ressemble beaucoup à Google Chrome. Et c'est bien sûr avec Google, hein, mais voilà. Vous pouvez tout personnaliser, c'est trop bien. Et je sais, je suis. Et avant, j'adore. Je vous conseille. Bon, bah, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et bien sûr, j'aurais déjà dit, mais je mettrai le lien dans la description. Et je vous conseille vraiment de télécharger, c'est gratuit. Et voilà. Ouais. À la prochaine!